Non, 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 ça ne reviendra pas. Oui, il a été solide, plein de force. Finalement, il remporte son jeu de service. Il n'a qu'un break de retard. Deux jeux à un pour le français. Après 100 ans d'agonie dans les montagnes, 100 ans d'attaques et de sprints, 100 ans d'amitié et de rivalité, il est temps de faire un retour en arrière et de redécouvrir, à l'occasion du 100e anniversaire de cette course, les lieux qui ont bâti la légende du Tour de France. Vendredi à 23h sur ESPN Classic Sport. Les sauterelles sont en train d'envahir ce quart de finale de l'Open d'Australie 1990. On vous rappelle le score. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour Yannick Noah, qui mène 2-7 à 0, 6-3, 7-5, qui a réussi à faire le break au tout début de la troisième manche. Il mène 2 jeux à 1. Et Yannick Noah qui a demandé à l'arbitre, si possible, de faire en sorte qu'on évacue les sauterelles. Parce que déjà, bon, c'est vrai que c'est assez gênant, mais en plus, c'est un ami des animaux, Yannick Noah. Il n'a pas envie de les écraser, les sauterelles, en venant au filet. Voilà, on a essayé de faire un petit peu place nette. Le français au service. L'orage qui gronde. Il faut qu'il arrive à penser à autre chose, Yannick Noah, parce qu'il n'arrête pas de regarder le cours justement pour voir s'il n'y a pas de sauterelle. Ouais, pas évident. Perne Force d'ailleurs donne l'ace à Yannick Noah. Très fair play, Michael Perne Force. Et alors que le juge de ligne avait annoncé cette balle faute. Qu'ils sont tous les deux en train de regarder, parce que je peux vous assurer que les sauterelles sont revenues en nombre. Il y en a encore partout. C'est l'orage qui les amène. Un gros nuage de sauterelles qui vient du bush. Thank you. Quiet, please. Qu'est-ce qu'elle était bien touchée, cette petite amortie. No leads, three games. Jeu blanc pour le français, qui conserve son break d'avance, 3 jeux à 1. On va voir s'il est capable de réagir, Perne Force. Le deuxième set a été quand même assez dur pour lui, physiquement, mentalement, et il l'a perdu. Est-ce qu'il va être capable de réagir? Noah continue, lui. Oh, quelle présence! Et Perne Force réussit à gagner ce point. On peut se demander si le match ne va pas être interrompu parce qu'il y a vraiment des sauterelles partout.